si me leye su ameco, e bomba como, si me leye su ameco. Santrinos Raphaël a frappé fort. Il a encore fait un signe des grands frères. Mesdames et messieurs, bonjour. Recevez toujours le gada-gada, le caca, le cagoule, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Il y a de cela quelques jours que moi-même, le gada-gada, je suis en train de voir une vidéo qui est en train de circuler par l'intermédiaire de mon frère Billy qui m'a fait découvrir cette vidéo. Mesdames et messieurs, j'espère que vous tous qui êtes en train de regarder cette vidéo du Gada Gada en ce moment, vous allez adorer cette vidéo. Et que vous qui aviez regardé la vidéo dont je vais vous présenter tout à l'heure, j'espère que vous avez donné un like à ce jeune petit frère. Ouais. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Et puis on se capte pour la suite tout à l'heure. Les gars, j'espère que vous êtes enjaillés. J'espère que vous avez écouté le talent. Ça, c'est un talent pur. C'est ce qu'on appelle un talent inné. Le petit, lui, il est né avec ça. Oui, il est né avec ça. Ça, là, là, faut pas douter. Oh. Faut pas douter. Mon gars, là, là, petit, là, que vous êtes en train de voir là-bas, là. Hein? S'il y a une maison de production ici au Togo qui récupère ce jeune-là, Ojike, il va faire 1 million de vues. Je vous jure, il va faire 1 million de vues. Moi, je sais de quoi il vous parle. Imaginez un peu, ce même truc s'est reproduit en Côte d'Ivoire dans les années antérieures. Hein? Est-ce que vous rappelez de l'histoire de Mercure? Mercure, le Zougouman qui était sur TikTok en train de balader dans les maquis et puis chanter pour faire Talako. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Même, j'ai même vu les Togolais qui ont posté ce même Mercure sur leur statue. Ce même Mercure, ils ont pris ce même Mercure-là pour faire vidéo. Et puis, qu'est-ce que Molar a fait? Mori le Molar, lui, il a récupéré ce même Mercure. Et puis, il a lavé le Mercure pour faire une star, au fait, en Côte d'Ivoire. Il a quand même un Mercure, là, mais qui a été invité lors des primates. Donc, là, les éléments de, comment on dit, Superstar Contest Awards. Pardonnez, vous aussi, là, vous pouvez faire ça, hein. Ce jeu-là, j'espère que la vidéo-là, là, l'équipe, les organisateurs de Superstar Contest, j'espère que vous avez déjà vu cette vidéo aussi. Vous pouvez faire quelque chose. Mais ce qui me plaît, mesdames et messieurs, pourquoi moi je fais cette vidéo, qui dit que Santos a frappé fort là. J'ai vu un commentaire de Santos Raphaël qui dit que lui veut raconter le petit. Lui veut raconter le petit. C'est quand Santos dit qu'il veut te raconter, sache que c'est un truc qui a s'est passé. Parce que Santos lui-même, il a reconnu le talent à l'état pur du petit, il a voulu raconter le petit. Donc, Santos Raphaël, sincèrement, j'espère que tu as le fait. Tu le fais déjà. Tu as fait ça avec les jeunes talents qui arrivent là. Tu avais fait ça avec le kid. C'est même commenté que tu as fait avec le kid et puis tu as raconté le kid. Tu as fait même chose avec ce jeune homme-là, lui qui fait le journaliste RFI, là, comme on appelle. Donnez TV7. Tu as fait même chose avec Donnez aussi. Et quand il paraît-il que tu as payé un iPhone 15 Pro, bien, il ne sait pas, 14. Tu as payé ça à Donnez aussi. Donc, c'est quelque chose que tu fais souvent. Donc, j'espère très bien que tu vas encore faire pour ce jeune qu'on vient de voir. Apparemment, on dirait qu'il s'appelle Wilfried ou bien Godwin. Bon, entre Wilfried et Godwin, j'ai pas bien... Bon, je n'ai pas la capture avant de faire la vidéo. Mais ce qui est, je vais vous mettre la capture ici que vous allez voir. Bon, ce qui est, je sais que c'est Godwin ou bien Wilfried. Je ne peux pas venir corriger les audios encore. Bon, bref, mesdames et messieurs, sincèrement, ce jeune homme-là, hein, ce petit-là, il a du talent. Il a du talent. Ce que Santos va faire de ce petit, moi, le gada-gada, c'est moi-même, je suis prêt à soutenir. Normalement, moi-même, là, je voulais mettre un commentaire, mais quand j'ai vu le commentaire de Santos Raphaël, il a dit que, OK, il y a un grand frère qui a déjà pris le devant. Donc, nous, les pays frères, là, on n'a qu'à rester en bas. Donc, quand le grand frère va faire le pas, là, nous, on est là pour soutenir. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez écouté
le jeune petit, mais il va vous remettre encore. Voyez là, c'est trop en jaillant. Il va vous remettre ça encore. Et puis, il vous remet. Et puis, on clôture la vidéo. Écoutez encore. Vous n'êtes pas en jaillé. Vous n'êtes pas en jaillé. En tout cas, les gars, c'est vraiment moi-même le gars là. Il s'est tellement en jaillé. Il s'est en jaillé. Mais tu l'as même là, il a la voix. Oui. La voix là-même, lui-même, il prend pour chanter là-même là. Ça rentre. Et quand tu écoutes en même temps, ça rentre dans ton corps. Oui. Lui qui a écouté ça là, il a dit que non, ça là, c'est vous rien. Ça va rien faire dans son corps là. C'est-à-dire tu ne connais rien. Bien, c'est pas comment est-ce qu'il est expliqué. Tu n'as même pas le sentiment ou bien les oreilles de mélodie au fait. Ou bien tu n'as pas l'audition. Ton audition là, ton sens auditoire là. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit sens auditoire? Bon, bref, vous comprenez ce qu'il est ici en train de dire. Ton sens, ça là, ça ne marche pas bien. Tu dois aller à l'hôpital pour qu'on puisse corriger ça. Sinon, quand tu écoutes en même temps là, hein, quand ça rentre dans tes débats, tu sais que ça, c'est un vrai son. C'est un vrai son. Petit là, il a la voix. Où? En tout cas, Santinos, nous, on attend ce que tu as fait de ce petit. Mais il pense très bien. Je pense très bien que si vous allez faire quelque chose là, faites quelque chose comme Molar a fait à Mercure. Ne venez pas composer quelque chose. Yes, c'est bon, Santino, c'est toi. Toi, tu peux composer un bon son pour le petit. Le petit va chanter tranquillement. Tu as fait composition. Oui. Mais là, ce que nous, on a. Ce qui a fait connaître le jeune homme là. Pardon. Essaye de faire ça. Et puis, on va connaître le jeune homme encore un peu plus. Vas-y. Ce qu'il avait. Si Salama, c'est trop doux. Pardonnez, c'est trop doux. Oui. Essayez de revoir ça pour en faire un morceau. Santro, même si tu peux faire encore un truc là, tu fais ça en feature. Là, on dit que Santro, feature, comme tu as fait à King Mal. Quand tu as fait ça là, ça peut faire quelque chose. Oui. Ça fait quelque chose. Parce que toi-même, ce que tu as fait à King Mal, ça a boosté. Ça a boosté normal, le Salamène doit faire 1 million, mais les Togolais, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes nés, vous aimez tellement, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà encore petit là qui nous a prouvé quelque chose encore. En tout cas, dames et messieurs, dites en commentaire ce que vous en pensez. C'était votre humble serviteur, le Gadagada, le Kaka, le Kagoulé. C'est vrai qu'il y a un peu parlé, ça là, ça n'aide beaucoup de personnes, mais ce n'est pas grave. Il doit parler un peu, ou bien, on est ensemble, portez-vous bien. Ah, ciao.